Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Total War Rome 2 pour l'épisode numéro 5 de Roma Victrix. J'ai enfin pu installer mon nouveau processeur carte mère ainsi que 8 Go de RAM sur mon PC, ce qui améliore en soi déjà pas mal les performances sur le jeu. J'ai actuellement le jeu en, je vais vous montrer, en extrême dans toutes les options sauf une. L'option détail de l'unité qui est vraiment très mal optimisée sur le jeu. Et si vous la baissez en bas ou moyen, vous allez gagner 30 à 40 FPS sur un PC habituel. Ce qui n'est pas négligeable. Par contre, le petit malus, on dira, c'est que la distance d'affichage des unités, c'est-à-dire la distance à laquelle les unités gardent encore toute leur qualité de présentation, est réduite. Donc au bout de 20-30 mètres. L'unité commence à devenir une sorte de sprite, mais franchement, c'est pas gênant plus que ça, c'est pas vraiment très remarquable. Par contre, ce qui peut être gênant, c'est que également, ça rend les soldats comme une armée de clones. Tous le même visage, tous les mêmes vêtements. Ce qui, pour le multijoueur, n'est pas gênant, puisque vous gagnez quand même 40 FPS, donc en multijoueur, c'est vraiment très bien en bataille. Mais vous vous en fichez un petit peu du détail des unités, par contre. Lorsque vous jouez en campagne, ça peut être un peu plus gênant de ne pas voir ça, puisqu'en campagne on a temps de zoomer sur la bataille, de voir comment ça se passe. Le fait est que si vous diminuez cette bataille, cette option, vous n'aurez pas les mêlées qui rament et vous pourrez enfin apprécier correctement les mêlées. Vous pourrez même augmenter toutes les autres options du jeu, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est à vous de voir, sachant qu'en haut, vous aurez déjà une très bonne diversité, et en bas, franchement, pour moi, c'est pas plus gênant que ça. Donc c'est vraiment selon vous si vous voyez que votre jeu rame alors que vous avez un bon PC, baissez vraiment cette option et vous verrez que vous pourrez monter tout le reste juste parce que vous avez baissé cette petite option. Je vais la mettre en haut pour les besoins de la vidéo. Hop, c'est parti. Mais sinon quand je joue en multijoueur, je la mets en bas et c'est vraiment pas dérangeant. Je peux tourner comme ça à 60 FPS durant toute la bataille sans aucun problème et ça c'est vraiment très appréciable. Ceci étant dit, nous avions conquis le nord de l'Italie et mis en état client Gênes, Génois, on va y arriver, attention, je vais être vigilant. Mais finalement, cet état client ne me rapporte pas grand-chose, on va aller faire un tour dans la diplomatie. C'est les Insubres. Insubres me rapporte état client. Alors, état client, ça doit me rapporter quelque chose, ou est-ce qu'on peut. Voir ce que cela me rapporte. Commerce 203. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui nous dit. Je sais qu'on avait à un moment quelque chose qui nous disait les états clients, qu'est-ce qu'ils nous rapportent. Peut-être qu'il faut aller dans l'onglet commerce et finances pour voir ça. Partenaires commerciaux. Le commerce, c'est bien, ça me rapporte beaucoup d'argent. 1128 quand même. C'est pas négligeable. Où est-ce que déjà j'avais vu l'argent que me rapportent les l'état client? Bref, je ne sais plus, mais c'est pas très important. Je sais en tout cas que je vais quand même les battre. J'ai envie de les écraser. Ça serait mieux pour moi d'avoir vraiment toute l'Italie telle qu'elle fut aux mains des Romains. Il faut que j'aie également la Ligue étrusque. Alors je vais À d'abord votre en finir service. avec l'armée des rebelles qui est ici, donc ce sera au prochain tour. Qu'est-ce qui se passe à Ariminum? Ah oui, c'est vrai que tout avait été détruit auparavant par le séisme. Et qu'à Néapolis, je suis assiégé par la Ligue étrusque. Je vais descendre mon armée. À votre service. Hop, sur Récupérez Rome. toutes les J'ai armes. pas envie que la ville tombe aux mains de la Ligue étrusque. Normalement, la garnison devrait être suffisante. Qu'est-ce que je peux recruter? Vraiment pas grand-chose. Oui, tout le monde. Alors, il y a eu. Il y a eu vraiment. J'ai eu un tas de commentaires me disant: Léviat, il faut que tu recrutes des chiens. C'est vraiment très important. Je veux voir des chiens. Je veux voir des chiens. Je sais pas ce qu'il y a comme obsession autour des chiens de guerre. Si vous voulez, je recruterai des chiens. Mais franchement, c'est pas le truc le plus important qui existe au monde. Sur le jeu, hein. Je sais pas ce que c'est cette histoire, mais vraiment ça m'a vraiment pas mal surpris. Ok, nous sommes attaqués par les Étrusques au sud. Et bien écoutez, on va sauvegarder et on va faire la bataille. Donc oui, je recruterai des chiens, éventuellement, si j'ai envie. Ça vous fera plaisir, comme ça vous me laisserez tranquille avec ça, parce que
Vraiment, c'est. Je sais pas ce que vous avez avec les chiens de guerre. C'est vrai que sur Rome 2, ils sont pas mal, notamment pour chasser les archers, en multijoueur pour chasser les tirailleurs adverses, puisque souvent la caméra, vous jouez avec la caméra assez éloignée. En multijoueur, tout le monde joue comme ça, c'est normal, c'est pour mieux contrôler son armée. Et du coup, les chiens ne sont pas vraiment très visibles lorsqu'ils sont lancés. Et si on se méfie pas, on peut avoir des chiens en train de dévorer nos archers ou nos frondeurs sans même s'en rendre compte. Et comme ce sont des unités qui fuient assez vite, on peut rapidement comme ça perdre tous ces tirailleurs à moindre effort pour l'adversaire. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais ça peut également épuiser les unités ennemies, les rendre fatiguées, et du coup faire en sorte qu'ils soient moins efficaces hein, lorsque le combat va commencer. Ouh, on a une météo vraiment très dangereuse. Regardez ces petits plébéiens. Je suis un citoyen de Rome, je ne me rendrai pas. Alors, on dispose de quoi? Des Rorari. Alors, c'est quoi la statistique de ces unités? Ça va faire peur. 14. Ouh là là là. Mais on a un légionnaire. On a un légionnaire. Bon. Bon. On va faire une défense de la ville. Alors, sachant qu'ils sont tous là, qu'on a également deux unités de tirailleurs sur ces bateaux que l'on va faire débarquer. Illico presto sur la plage. On ne peut pas donner l'ordre immédiatement là? Non? Parce qu'eux ils ont des bateaux aussi. Ils ont des bateaux. J'ai lancé la bataille, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je ne suis pas du tout prêt. Ok. Il faut que je prenne le temps à chaque fois d'écouter le discours de combat. Parce que j'ai pas ce réflexe-là d'écouter le discours. Je vais mettre mes plébéiens un petit peu devant pour ralentir l'adversaire. Et ainsi pouvoir gagner un petit peu de temps, l'épuiser. Attention, j'ai son bateau qui arrive derrière. C'est quoi dans son bateau? Ce sont. Ouh là 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 là. Les bruteurs italiques. Alors ces gens-là vont poser problème finalement. Ouais, trop tard. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas réembarquer ces troupes. Ces troupes lorsque l'on est. Lorsque l'on est débarqué, ça c'est un peu gênant, je trouve. Ils ont quoi? Lanciers italiques. 20, 42 en défense. Aïe aïe aïe. Ça c'est gênant. Ça c'est très gênant. Des lanciers italiques toujours. Ça va être compliqué à mon avis, on va perdre la ville, malheureusement. On perdra la ville, mais c'est pas grave, ça met un peu de challenge comme ça. Tout n'est pas acquis. Je descendrai éventuellement mon armée. Mon armée qui est dans les Alpes, qui est dans la plaine du Pô. Ok, on va devoir défendre hein, de toute manière ce point-là, on n'a pas bien le choix. On va apprécier un petit peu la vue dans la ville. C'est un peu mieux fait quand même en extrême hein, par rapport au graphisme très haut que je vous proposais jusque-là. C'est notre première bataille en plus avec la pluie qui humidifie le terrain, ça c'est intéressant aussi. Mais plus que ça, on va s'intéresser à l'arrivée des ennemis. Ils ne vont, si, ils vont faire fuir Avanté, mais ils vont pas fuir. Rorari! Où est mon légionnaire? Qui est peut-être mon légionnaire, je vais l'utiliser pour stopper les unités qui sont derrière. Pour l'instant, je vais me dépêcher. Oh, attention. Ils sont en train d'essayer de m'encercler. Soyons prudents. Ils ont pas de tirailleurs, si, ils ont un tirailleur. Bon. Mon général va devoir peut-être essayer de retenir les unités derrière. Les tirailleurs sont positionnés. Regardez, ils essaient de passer par derrière ou de se regrouper avec leurs troupes qui vont débarquer. C'est bien, ça intelligent de leur part. Magnifique. La vue. Alors attendez. Admirez-moi ça. C'est beau. C'est très très beau. Est-ce qu'ils vont se mettre sur le ponton? Ok. Bon.
Bon. Ah, mais ils ont la cavalerie aussi. Ouh là là, je n'ai pas vu ça. J'avais pas vu ça. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ça commence à m'inquiéter. Ça commence à m'inquiéter. Je me demande si je devrais pas sortir. Ah, ils protègent! Ils sont en train de protéger la zone de débarquement. Regardez comme ils se disposent. Ils se disposent vraiment de manière très intelligente. C'est pour ça que beaucoup de monde critique l'IA de bataille sur le jeu, mais regardez. Ils ont pris toute la place et ils ont sécurisé chacune des issues de la place. Ça fait vraiment remarquable. Pour une IA sur un Total War, en tout cas, c'est. C'est une plutôt bonne progression. Hein. Plutôt bonne progression, mais. Regardez-moi ça. On va peut-être reprendre le tir ailleurs. C'est à eux d'attaquer. Alors s'ils croient que je vais attaquer, ils se mettent les doigts dans le nez. Alors, je vais faire comme eux, je vais me redisposer. Triboulos! Rorari! À vos ordres! Alors on a quoi? Ah, on peut faire un carré. Force du bouclier, force de l'armure. Un bouclier dans la rue pour protéger, c'est peut-être pas mal, hein, j'en sais rien. Et mon légionnaire, torture offensive. Brave Romain sans exception. Où est-ce qu'ils vont débarquer? Écoutez, je ne les comprends pas. Infanterie de mêlée parée. Que sont-ils en train de me manigancer? Vous avez fini de détruire le marché, là, bande de sauvages. Ah, ces étrusques, j'aurais dû en finir avec eux beaucoup plus tôt. Regardez ce qui m'arrive quand je fais preuve de clémence vis-à-vis de mes adversaires. Et eux, ils vont peut-être débarquer par là, tomber sur mes arrières. Alors on va préparer ça. Voilà. L'issue est protégée. J'hésite à tenter une sortie. Le problème, c'est que comme on est conditionné par la protection du drapeau, ça donne pas envie de sortir de notre position. Ça serait prendre le risque de s'affaiblir. Mais j'aimerais bien un petit peu aller les chercher, vous voyez. Aller tenter de les énerver un petit peu. On n'a pas de frondeurs, on a que des lévesses. Comme ça s'appelle, des unités. Ok, là je sens qu'ils vont attaquer de ce côté-là. Hop. Et eux, peut-être on peut les faire arriver par derrière, qui ne tentent rien à rien. Vous, on va vous mettre peut-être en carré. On sait jamais. Ça peut être utile. Voilà. Allez, venez me voir. Soyez pas timide comme ça. Brave Romain, sans exception. Brave Romain, sans exception. Leur portée est juste ici. Ok. Alors, éventuellement, on peut aller les chercher. On va tenter d'aller les chercher un petit peu. Allez. On y va. Alors, attention, ce qui arrive derrière moi là. Ah, il a vu mon mouvement. Il a vu mon mouvement, il envoie des renforts. Mince. Mince. Attention. Oh là 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 là. Mince. Jeune fou. Je n'ai pas fait de perte dans leur rang. Malheureusement, je n'ai pas fait de perte dans leur rang. Ils sont en train de s'épuiser un petit peu, je vois. Ok. Ils sont pas encore arrivés. Ok, c'est bon. Tir rapide. Voilà. On va les accueillir comme il se doit. Bon, j'ai fait que deux pertes dans leur rang, c'est pas terrible. Parfait. Où est mon général? Aïe aïe aïe.
là là, non, non, non. Fallait pas me faire perdre le point. On va tenter de tuer leur général. C'est quoi qu'ils ont comme cavalerie? Regardez-moi le chaos du combat. Comment ça? Comment ça, il fuit le champ de bataille? Certainement pas. On va se reconcentrer sur la bataille. Si vous le voulez bien. J'essaie de tuer leur général. Si je tue leur général, ça pourrait être une bonne chose. Aïe aïe aïe. Oui, les renforts, toi tu viens. Tu viens, tu viens. Il faut qu'on tue leur général, non d'une pipe en bois. Aïe aïe aïe, tous mes tirailleurs sont en train de fuir. Malheureusement, il n'y avait pas grand chose à faire. Avec de la milice, face à des lanciers italiques, je vais perdre Néapolis. Bon, bah, c'est pas un drame en soi. C'est pas un drame en soi. Est-ce que je peux tuer éventuellement leur général? Ça pourrait être toujours une bonne chose, éventuellement. Regardez-moi ces traîtres. Ces traîtres, mes légionnaires, ils sont même pas rendus. Ah bah voilà. Ils sont même pas battus non plus en fait. Maintenant que j'y pense. Bon bah dommage hein. Ils ont... Ouais ça c'est mes boucliers. Bon, j'ai tué 73 hommes et j'en ai perdu 700. Magnifique défense de Néapolis. Alors là j'ai été un petit peu pris de court. Vraiment pris de court, je vais me venger très clairement. Là je vais leur rouler dessus, je vais préparer une armée de légionnaires. Je vais leur sauter dessus. Non seulement ici, tant qu'ils sont ici, mais également sur leur île de Corse, à moins que les Carthaginois n'en fassent leur propre mission. Oh la honte. Oh la défaite. Oh, c'était de la milice, c'est pas très grave. Et donc la nouveauté du patch 2, je viens de faire, là, je fais la vidéo ce matin, le patch 2 est passé. La nouveauté c'est que les tours passent maintenant plus vite. Donc on va, on le voit hein, tout de suite, là c'est déjà mon PC plus rapide. Mais les tours passent déjà vraiment beaucoup plus vite, en 2 secondes on va déjà arriver à la fin. Voilà, on arrive sur les R, P, hop. C'est terminé, voilà. Tour, maintenant terminé. Ah, c'est vraiment rapide. Il le fallait parce que j'avais commencé une campagne en très difficile avec Sparte et j'avais abandonné tout simplement parce que c'était beaucoup trop long. C'est vraiment beaucoup beaucoup trop long de faire une... Les tours mettaient quasiment 2 minutes à passer, c'était... vraiment épuisant. Il faut que je recrute un dignitaire. Oui, il faut que je recrute un dignitaire, en effet. Mais j'ai perdu la ville. Et ça... Ça, déjà... c'est une mauvaise chose. Sur Néapolis. On va rapidement s'en occuper. Alors, ce qu'on va faire... On va recruter des unités, hop, de légionnaires, déjà. 3 légionnaires, je peux prendre. Ok, on va faire une nouvelle technologie... celle-ci, on va faire 3 tours, ok. Les rebelles, c'est des rebelles ça encore? Non, ce sont des dalmates. Qu'est-ce que les dalmates font chez moi? Est-ce que les dalmates tenteraient de me déclarer la guerre? Non, on a des bonnes relations, nous. Oh, non, on n'a pas des bonnes relations du tout. Ah, je pensais. Ah, je pensais, il y a des chances qu'ils tentent de m'attaquer. Les rebelles ont disparu. Je vois. Vous appelez ça une garnison. Et donc, on va pour l'instant peut-être garder l'état client avec nous. Et on va s'occuper des Étrusques. En Étrurie, enfin en Corse en l'occurrence. Puisqu'il n'y a plus d'Étrurie aux Étrusques. Avec mon armée principale. Ok. C'est parti. Je vais... J'ai encore un peu d'argent. Donc, je vais fabriquer... Non, je dois réparer ça, c'est vrai. Coup de réparation 577, je vais garder encore mon argent pour recruter au prochain tour. Quoique je dois pouvoir construire des bâtiments dans ma région, Magna Graecia. Non, je ne peux pas. Si, je pourrais. Mais caserne de cohorte, il me faut plus d'argent. Et mes plans ont été compromis par ces villes étrusques. Alors ça, je ne m'y attendais vraiment pas, mais c'est bien. C'est bien comme ça qu'ils tentent un petit peu de se refaire, de tenter de m'attaquer. Je vois Massilia quelque chose.
Je crois que les Insubres, qui sont mes... J'ai pas recruté le dignitaire. Voilà, c'est ça qui me manquait. Je crois que j'avais pas assez d'argent. Il me manquait 50, un truc comme ça. Parce que ça coûtait 1200, je crois que j'avais plus que 1100, quelque chose. J'ai pas... Ah, ils attaquent! Ils attaquent Rome. Mais ils sont fous! Ces hommes sont fous! Non, alors là, non, non. Rome ne sera pas prise, c'est hors de question. Je ne lâcherai pas Rome, quelles que soient les pertes à subir. Non, 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 non. Ouh là là, et en plus j'ai des problèmes de pénurie alimentaire. Il manquait plus que ça. Rome, c'est quoi la garnison? Des rorari là aussi. Ouh là 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 là. Attends, attends, attends. Oh, je risque de perdre Rome. Je vais rouler comme un taré et je vais me mettre en marche forcée. Marche forcée. Ah, oh, punaise, je vais pas pouvoir aller suffisamment loin. Et si je forme une armée, ça suffira pas. Si je perds Rome. Non, ça va pas être possible. Ça va pas le faire, ça, les gars. Est-ce que je peux? Si je tente une sortie. Qu'est-ce que j'ai si je tente une sortie? Ils sont 1600. Je suis pas assez. Je suis vraiment pas assez. Non. Je vais attaquer. Si je lève une armée, je pense bien que je ne peux pas. Ouais, en plus, il y a la pénurie alimentaire à cause de la prise de Rome. Bon, elle, on va la mettre en force marché aussi. Mais si on perd Rome. Alors là, ça va être joyeux. Là, je crois que je peux tenter de sauver Rome avec les renforts que j'aurai. On va tenter ça. Il compte pas dans les renforts. C'est malheureux. Ah, c'est malheureux. Ils ne sont pas en renfort. Ah, il faut que ce soit juste là. Ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Écoutez-moi bien, ça ne va pas du tout. Je vais recruter un dignitaire. Ce sera déjà le plus important. Avec un bon taux de culture, de conversion à la culture. Voilà. C'est celui-ci. Génial. Impeccable. Je suis dans une situation là qui n'était pas prévue. Vraiment, vraiment pas prévue. Bon. Bon, bon, bon. Nous avons faim de bataille. Aïe, 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 j'ai dû dégarnir tout le nord de mon empire, tout le nord de la péninsule italienne. Ça ne va pas du tout. Il m'attaque pas. Il m'attaque pas. Très bonne chose. Très très bonne chose, ça va. Rome va pouvoir être sauvé. Et directement, je marque mon armée et je fonce. Alors là, non mais. C'est quoi cette provocation? Ils attaquent Rome, ils sont complètement dingues. Rome ne tombera jamais. Rome ne tombera jamais, elle est tombée aux mains des Gaulois il y a 150 ans de cela, mais ça ne se reproduira plus. Jamais, je le promets. Certainement pas des mains de ces pseudo-latins là, les Étrusques. Non, c'est vrai, hein, regardez, le passage de tour est vraiment très rapide. Les Suèves ont disparu. Aïe, aïe, aïe. Ça me pose problème, la nourriture. La nourriture, ça pose vraiment problème. Je me dépêche d'attaquer, je vais sortir de la formation. Sans avantages spéciaux. Au combat! Ok, ils sont partis. Ils sont partis. Est-ce que j'aurai de quoi les battre? Oui, j'aurai de quoi les battre largement avec mes armées. Ouais. Pas de quartier. Parfait. En plus, ils n'ont pas de renfort de la ville parce que la ville n'a pas encore eu le temps de se refaire. C'est la Ligure 3 Iovia qui va sauver Rome avec ses 1640 hommes. On va sauvegarder juste avant. Et on va leur mettre une de ces raclées. Mais ils s'en remettront pas. Ils ne s'en remettront pas. Quiconque provoquera Rome périra par le glaive. Celui qui naît par le glaive périt par le glaive. Je crois que c'est une citation de la Bible, ça. Je sais pas, je l'ai déjà entendu quelque part. Mais je ne sais, je me sens que c'est dans la Bible, peut-être. J'en suis pas sûr, hein, je ne sais pas.
Je connais cette phrase, mais je ne sais pas du tout de ce qu'elle vient. On va commencer le déploiement sous un beau soleil italien. Magnifique. Magnifique. On va mener le combat plutôt vers la plaine. Légionnaire. Mince. Hop. Voilà. Et on va mettre sur le flanc droit le tirailleur, sur le flanc gauche. Et j'ai une cavalerie. Puisque c'est mon général. Ok. On va faire le groupe. Et on est parti. On n'a pas eu un discours? Ok, on n'a pas de discours particulier. Oups, mince. À force de m'amuser à cliquer un peu partout. Voilà, je fais n'importe quoi. En cadence. Ok, c'est bon, tu peux revenir dans le... Reviens dans les rangs de l'armée, s'il te plaît. Tribulus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au pas de course, certainement, quelque chose comme ça, en avant. Ils ont des boucliers de type... des boucliers d'hoplites en fait. Ça c'est marrant. Ils sont bien rasés. Ils ont intérêt à être présentables puisque c'est le jour aujourd'hui où on finit dans la boue. Ils vont retourner de là où ils viennent, dans les jupons de leur mère. Ou ils vont probablement traverser le Styx. Je ne sais pas. Il y a de fortes chances qu'il traverse le Styx, mais personnellement, je ne serai pas celui qui mettra la pièce pour leur permettre de le traverser. C'est hors de question. Ok, on se progresse. Cavalerie avancée. Cavalerie avancée. Tu n'es pas de la cavalerie, tu es mon général. Ok. Mes centuries progressent. D'accord. Mais donc ils sont pas très motivés hein, les étrusques. Ça fait les malins 2 secondes. Si on est à la police, et après il n'y a plus personne. Ah merci la Legio 3. Franchement ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous avez sauvé Rome de justesse. Et il recule. Bon, et on a des retardataires de ce côté-ci. S'il vous plaît les gars, ça serait bien de se ramener un peu plus vite. Oui, mais nous aimons beaucoup les buissons. Légionnaire romain. Alors apparemment, le bug lorsque l'on fait le zoom intelligent avec la touche N effectivement a disparu. On n'a plus les têtes d'espèces de momies de zombies là. C'est bon, ça fonctionne nickel. Impeccable. Mais vous voyez, ce jeu peu à peu avec les patchs, ça va commencer à devenir un jeu. Vraiment potable. En tout cas, maintenant que j'ai baissé l'option l'état des unités en haut et que j'ai mon nouveau PC, enfin mon nouveau processeur, franchement, bah, c'est nickel, hein, là j'ai aucun problème. En filmant, je suis en train de filmer, donc forcément je perds des FPS. J'ai 40 FPS. Attention. Ouh là 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 là, jeune fou. Les étrusques. Ok, mes soldats ne sont pas particulièrement fatigués, ça va. Alors ça va être difficile de comprendre la bataille, puisque ça va être dans la forêt. Donc on va essayer de s'arranger pour que ce soit compréhensible pour vous tous. Ta-ta-ta! Oui, mon unité, il me manque une unité de vitesse par ici. Où est-elle? Ouais, bon. Attendez, regardez-moi ça.
J'ai complètement oublié, mais ah oh là là, quel abruti. Ok, impeccable. Ouais, Romain Victrix. Romain Victrix. Ouais, attention les javelots quand même. Allez-y mollo. Allez-y mollo mes petits vitesse là. Ok. Il va faire peur. Il n'y a plus personne à qui faire peur. On n'y comprend rien. La bataille est terminée avant même d'avoir commencé. Tiens. Il va aller provoquer le général adverse. Ok, la bataille est terminée. On poursuit les hommes et nous. Romain Victrix! Allez, massacrez-moi tout ça. Où est-ce que le combat n'est pas encore gagné? Ah bien, c'est tout ce qui reste, c'est leur général. Non, mais son général va périr. Alors ça, ça c'est clair et net. Son général doit périr. Tut 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 tut! On ne s'en sortira pas tant que le général ennemi ne sera pas mort. Non, 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 on va continuer, on va continuer. Oh mince, il est parti. Il a pu s'échapper, malheureusement, j'ai peur qu'il aille garnir la ville. Pendant qu'ici, nous avons triomphé. Et mes soldats ne se sentent plus. Ok, génial. Génial, bon bah. On a gagné. 117 pertes, 876 étrusques abattus. Excellent. Excellent, excellent, avec Publius Trajan qui avait commandé cette armée et qui a été défait par le très célèbre, le fortement renommé Lucius Cursor. En 6 minutes 6. Hop, 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 voilà, on n'en parle plus. Je vais tuer tous les captifs. Et une tradition militaire. Ah, mais carrément, ça tue toute l'armée. Ah, c'est génial. Bah, écoutez, c'est cool. Tu voudrais pas prendre la ville aussi? Ok, il y a une petite garnison, est-ce qu'on fait la bataille ou pas? Allez, on va faire la bataille, ça fait toujours plaisir comme ça. Reprendre Néapolis de nos propres mains. Refaire le combat là où il avait été mené auparavant. Impeccable. Ça va, on va en revenir là où on en était. Finalement, ça aurait été un épisode où je pensais faire des conquêtes, et au contraire... Je suis forcé de rester sur, sur mon terrain déjà acquis auparavant. Ok. Très sympa. Très très sympa. Alors. Voilà, la place étant ici, on va pas s'embêter, hein, j'ai envie de vous dire. On va y aller. Alors eux, on va les mettre plutôt en retrait. Je pense que de toute manière, il n'y a pas besoin de faire une grande stratégie. Bref, on va pas les mettre en retrait, on va les faire attaquer par le flanc. Hop, et on va mettre 2 vélites. 2 ou 4. Allez, on va mettre 2 vélites ici. Et on va mettre 2 autres vélites ici. Faut que je pense à recruter de la cavalerie. Je m'en rappelle. Faut de la cavalerie. Ok, oh là, ça fait. Jouer avec Rome 2 full vite, ça me. Ça me fait quelque chose, hein. Mon général, voilà. Ça vient que j'ai oublié quelque chose. Lui, il va rester en réserve derrière, voilà. Ok. Faire un petit groupe avec ça. Hop. Et on va essayer d'écouter un petit peu le discours du général en bas. Il y a ceux qui disent que j'ai été touché par les dieux. Il y a ceux qui prient pour que les dieux. Ouais, le discours était pas terrible, mais il y a une animation de. Ouais. Bon, le problème, c'est que c'est pas avec une cinématique comme sur Medieval 2, par exemple. On avait apprécié très longuement les discours sur Medieval 2 durant ma campagne Deus Lovult. Là, c'est un peu. Ouais, bon, écoutez, on va pas, les groupes vont pas marcher, hein, cette histoire. Et là, ils n'ont pas pris les cinématiques, ils ont fait ça avec... ça se passe directement sur le champ de bataille.
Et à mon sens, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Magnifique. Une. Franchement, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Reste plus que l'IA soit bien codée. Là, en tout cas, j'étais vraiment surpris parce que l'IA m'a fait dans la bataille précédente. Franchement, c'est une très bonne surprise. Très très bonne surprise. Les gars, là, allez, on se dépêche. Hop, 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 hop. Nom de Mars. Au nom de Mars. Alors, avec quoi il m'accueille? Le reste de l'ancien italique qui ont pu se refaire. Vous ne flanchez pas? Oui. Oui. C'est bien d'y croire. C'est bien d'y croire, mais là, croyez-moi que les veuves romaines demandent que le sang étrusque soit répandu. Et j'ai bien l'intention d'accomplir mon devoir de bon romain. Au service! Brave romain, sans exception. Ça, cette phrase est un peu bidon, mais on dira rien. Au pas de course. Ok. On arrive. Oh, déjà! Ah, ben non, une pipe en bois. Allez. Effectivement, j'ai eu une perte. Salut. Salut. Allez, mange-toi ça, bam. Ouh, ça déguste. Ah, c'est moins drôle hein, quand c'est à vous que ça arrive. Ah, c'est beaucoup moins marrant d'un coup. Oh, je meurs, non. Ah, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Oh mon dieu. Oh, c'est horrible. Oups. En cadence. On va pas s'embêter ici. Vous hein. Voulez dire légionnaire. Que Jupiter me donne la force. Infanterie de mêlée. Il y avait pas un renfort qui devait arriver derrière là, non. Blam, allez, déguste. Alors là, je suis en colère. Croyez-moi, ils vont pas s'en sortir comme ça. Regardez-moi ça, allez. Génial. En avant. Ils doivent pas aimer, hein. Oh, dans la tête. Oh, génial. Bon. Passons aux choses sérieuses. Ils m'ont assez provoqué. Ouais, nous l'avons même pas pris. Allez, mes tirailleurs, vous allez arrêter de tirer. Pas de foi à volonté. Mon général va rester juste derrière. Et mes hommes, hop, ils vont y aller. Manu militari. Voilà. Ah, l'assaut. Oh là là, je les ai littéralement. Oh, je les ai pulvérisés. Pouf. Regardez le combat de ce légionnaire. Ce brave légionnaire a perdu son frère lors de la bataille précédente de Néapolis. Et il veut se venger. Il aura sa vengeance. Et cet homme, il a perdu son chat lors du siège de Néapolis. Et il veut le venger. Regardez-moi ça! Rien que par son esprit, il arrive à tuer tous les ennemis qui sont autour de lui. Jean-Richard, là. Tu... Ouais. Bon, bah écoutez, là j'ai un petit problème, c'est que... Bon, bah écoute, je sais pas. Je sais pas, hop. Je sais pas ce qu'ils font, eux. Bon, l'IA n'est pas toujours très inspirée. En fait, en défense, elle comprend pas grand-chose. Elle est vraiment meilleure en attaque. Là, en attaque, c'est vraiment joué. Voilà. Parfait. 12 pertes. 12 pertes. Ce sont des héros qui recevront tous les honneurs sur le champ de Mars. Magnifique. Nous avons vengé les veuves de Néapolis. Impeccable. Ah, c'est... Ah, mais ils m'ont fait 0 mort. Ah, ils m'ont tué 0 soldats. Les 6 pertes que j'ai eues, ce sont mes tirailleurs qui les ont...
Ah, c'est génial. Ah, mais ils vont tous mourir. Non, je vais pas raser la ville. Je vais occuper. C'est chez moi. Ah, Lucius Papirius, Cursor. Ah, ça, c'est un brave. Ça, c'est un brave parmi les braves. Alors, lui, alors déjà, la Légion va gagner un petit peu de tradition. Et lui, il va gagner plus 1, plus 2 d'autorité. Voilà. Bravo. Mes félicitations, mon cher. Et puis, du coup, bah, on a des problèmes de famine, apparemment. Soi-disant. Soi-disant, on a des problèmes de famine. Ah, mais c'est parce que Lady n'est plus. Eh oui. Du pain et des jeux. Ouais. Sauf que... Il nous faut de la nourriture. Ah, mais on peut faire des bâtiments de nourriture. Certainement. Non. Si. Voilà, plus 3 de nourriture. Impeccable. Génial. Nous avons faim de bataille. Ok. Par contre, j'ai des problèmes d'ordre public, hein, du coup, de ce côté-là. Donc je vais devoir lever une nouvelle légion. On va faire ça. On va lever une nouvelle légion. Et on va mettre... Alors lui, c'est un gros taré. On va pas le mettre. Regardez-moi ses statistiques. Regarde, on fout ce gars. Moins 6 autorités, mais certainement pas. On va lever cet homme-là. Sur un général. Voilà. Il va rentrer dans la ville. Est-ce que je peux faire des bâtiments qui vont faire de la nourriture par ici? Ce serait pas mal. Ou de la culture éventuellement. Alors attendez 2 secondes. Hop, mon téléphone. Ok, rien. Nourriture, ordre public, influence culturelle. Ça c'est bien. J'aimerais bien qu'un qui fasse nourriture, vous voyez, plus culture. Plus 3 de culture latine. Pas mal. Plus 2, plus 4 d'ordre public par tour. Le bois sacré. Ouais. Bon, ok. Ok, ouais, j'ai vraiment des problèmes de... Oui, ça c'est grave. Ça c'est grave de chez grave. Il nous faut plus de nourriture. Réforme agraire. Alors, ah bah tiens. Ah bah voilà ça. Alors, du jambon. Du jambon. Faisons-nous du jambon. Ouais. Ouais, on va faire du jambon. Allez. C'est bon ça. C'est très bon. Tout est bon dans le jambon. Je vais aussi recruter un peu plus de soldats dans cette armée. Il me faut de la cavalerie, c'est ça qu'il me faut, la cavalerie. Et c'était le bâtiment... Ah oui, le bâtiment du coup. Ah oui, la... Ah, il s'est annulé. Je vois. Je vois, mais je crois que les Carthaginois vont s'en occuper avant moi en fait, des Étrusques. J'ai bien peur que ce ne soit pas un problème pour moi. Bon, bah alors c'est parfait. Du coup, on va retourner vers ici et on va sûrement attaquer notre... Pas enfin, notre vassal, j'ai envie de dire. Parce qu'ils ont Marseille. Ça serait pas mal d'avoir Marseille. Après, on prend la Corse et la Sardaigne et ensuite, on prend la Sicile. D'accord. Alors, j'ai vu que c'est... j'ai lu sur un truc que c'est la Mauritanie. Donc, c'est cette région, le Maghreb en quelque sorte, Algérie et Maroc. La Mauritanie, qui est la région la plus riche sur Rome 2. Mais vraiment extrêmement riche, à ce qui paraît. Donc on ira voir ça. Probablement, on ira... une fois qu'on aura fait tout ça, on ira mener la campagne en Afrique avant d'aller en Gaule pour se faire pas mal de richesses et pouvoir faire la guerre tranquillement. Ça me semble une bonne chose. Ça me semble très bien. Alors si j'attaque mon vassal, par contre, je risque d'avoir un malus parce que j'attaque un vassal. Ça, c'est le risque à courir. Je vais recruter... Alors, je vais faire recruter des chiens de guerre, voilà. Il est doux, il est bon de mourir pour servir le peuple. Je peux pas faire des chiens de guerre pour l'instant, donc on va attendre. En déplacement. Voilà, je vais passer le tour. Ouais, la Mauritanie est apparemment la région la plus riche du jeu. Donc bon, on ira se diriger vers là-bas. D'ailleurs, c'est une région qui était très importante. J'ai lu ça il y a quelques jours, pas quelques jours, mais quelques semaines, je sais plus quand ça. Quelle occasion, je sais même pas comment je suis tombé sur cette histoire, mais... la Mauritanie a été pendant un temps, à partir de César, c'est César qui a pris la Mauritanie pour les Romains et qui en a fait un état client de Rome. Donc c'est un état client de Rome. Je vais pas en faire un état client là, je vais vraiment la conquérir. Mais voilà, c'était un état client de Rome.
pendant un temps et suite à cela, après avoir vaincu Jeba Ier, qui était le roi numide berbère de Mauritanie, son fils Jeba II a été pris en otage. D'ailleurs, il y avait le système d'otage sur Shogun 2 et sur Rome, il n'y est pas, alors que c'était justement très courant de prendre des otages des peuples voisins à cette époque-là. Donc, du coup, ça aurait été tout à fait cohérent qu'on puisse faire ça. Ça n'a pas été le cas. Il a été pris en otage, donc, son fils, Jeba II, et c'était vraiment pas mal pour lui, puisque il a été pris au sein de la famille de Jules César. Et élevé par Octavie, la sœur d'Octave, Octave qui était donc qui sera plus tard Auguste, hein, le premier empereur, et qui était normalement le fils adoptif de César. Ouh, il y a un sujet. On a maintenant des petites choses qui nous préviennent qu'on a des choses à faire. Enfant de mauvaise vie. Les indiscrétions de votre fille font parler de tout Rome. Toutes les femmes de la haute société parlent de son comportement. Ses exploits font rire même les esclaves. Je vais en faire une prêtresse. Allez, hop. Dégage. Ok, je peux peut-être Cursor l'épouser. Et donc Cursor du coup va être dans ma famille. C'est ça? Non, je sais pas. J'aurais dû lire. Bon, en tout cas, il m'est sûrement favorable. Mais ouais, Cursor, je lui ai fait gagner pas mal de choses. Alors j'ai intérêt à faire attention. Et lui, mon homme d'état. Cet homme d'état est blessé. Ouais, bon, ça, je m'en fiche, il est nul, il est complètement taré. Ok, oui, donc je disais, il a été donc élevé par Octavie, la sœur d'Octave. Il a donc été élevé parmi les Romains, au sein des Romains. Il a eu une éducation romaine. Et c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et il s'est par la suite marié avec Cléopâtre, la fille de Cléopâtre et Marc-Antoine, la dernière descendante des Ptolémées, de la famille des Ptolémées. Enfin, l'une des descendantes des filles des Ptolémées, c'était pas dernière, il y avait aussi Alexandre et tout ça, enfin les autres, ses frères et sœurs, qui étaient elles aussi élevées par Octavie. Je vais déclarer la guerre. Voilà, ça va sûrement me faire un malus parce que je déclare la guerre à un de mes clients. Pourquoi il passe par un bateau? Mais bon, n'importe quoi! Comment immédiat. C'est ridicule. C'est ridicule. N'importe quoi! Bon, c'est pas grave. Débarquement. C'est pas grave, on ne dira rien. Oui, mon armée qui... Toujours Oh au service non, du mais c'était roi. mon armée qui a été... Ah, on est à 51% romain maintenant. C'est bien. Ah, oh, bah, je lève une armée, super, 2 secondes après, elle est déjà en train de disparaître. Génial. Super, hein, super, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Excellent. Bon, Commandant? bah, on va envoyer cette armée-ci. Mais génial. Je lève une armée, on me l'enlève direct. Donc oui, je sais plus où j'en étais, je vais y arriver. J'ai pas mal d'argent à acheter. Oui, donc je vais faire ce bâtiment-là, mon cas de nourriture. Comme ça, j'aurai de la cavalerie. Et c'est aucune technologie. Y arriver. Poste de combat. Ça fait quoi? Ça permet quoi ce bâtiment? Des rorari, tout ça. Ouais, c'est pour la. Ouais. Je vais plutôt faire ça. Un petit peu de technologie de siège. Ce sera pas mal. Et donc, ensuite, il s'est marié avec la descendante des Ptolémées, donc des Grecs d'Égypte. Et il a reçu la nationalité romaine. Et il est devenu un Gaius Iulius, comme César. Un Gaius Iulius César. Donc, imaginez quand même l'honneur pour un otage de venir quand même dans la famille. Des Iulii, donc des Iulia, des Césars, de César, c'est quand même, c'est vraiment impressionnant. Et donc ensuite, comme avec Octave, ils s'entendaient bien, puisque forcément ils avaient des liens plus ou moins familiaux, par force. Octave, par la suite, est devenu Auguste, est devenu l'empereur, et a rendu la Maurétanie à Géba, qui est devenu donc Géba II, le roi des terres romaines en Maurétanie, puisque c'était toujours mieux d'avoir quelqu'un qui ait un minimum de légitimité pour s'occuper de ces terres-là plutôt qu'un Romain, puisque le peuple ne connaissait pas ne connaîtrait pas ce Romain. Force de mauvaise vie. Oh là 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 là. Flotte au Mais rapport. je collectionne les merveilles dans cette partie. Ouais, on attaque. C'est parti.
1680, ok, génial, on va sauvegarder. On a 1920 hommes surentraînés, on est parti. Donc il a pu récupérer la Maurétanie et puis tranquillement s'installer là-bas, faire diriger son royaume. Et ça s'est très bien passé, c'est un bon dirigeant apparemment. Et surtout c'est un dirigeant vraiment en fait romain, alors que c'était sa terre, mais c'était vraiment purement d'éducation romaine. Et donc elle a eu un enfant, Ptolémée, avec Cléopâtre, qu'il ne faut pas confondre donc avec la Cléopâtre, c'est la fille de la Cléopâtre 7, qui était donc la femme de Marc-Antoine. Je vais attendre qu'il fasse un temps un peu meilleur. Je crois que ça va pas être possible. Si, cool. Et il y a eu ce fils Ptolémée qui lui aura succédé. Qui lui aura succédé par la suite lorsque Géba II sera mort. En tant que chef de la Maurétanie, ça aura duré comme ça un petit moment. Et imaginez-vous que ce fils, donc Ptolémée, était d'un côté numide berbère, par ses origines, par son sang, bien sûr, donc un local. Il était romain par son éducation, et également par l'éducation voilà, que lui a fourni son père, tout simplement. Il a toujours été éduqué à la romaine. Mais, j'ai pas mal de vitesse. Mais il était également grec par sa mère, donc il était grec, romain, numide, berbère. Donc je vous imagine un petit peu tout le sang qui est mélangé en lui. C'est vraiment, vraiment assez incroyable. Et ça c'est ce genre de ville, un petit peu toujours pareil. On est habitué à les attaquer, donc on attaque toujours par là. Est-ce que c'est plus simple, tout simplement? Voilà. Oh, il est où mon général? Voilà, ramène-toi. Alors on va écouter son petit discours. D'abord, je voulais juste finir cette histoire. Donc il avait toute cette éducation là, il a pu diriger comme ça la Maurétanie. Apparemment il n'était pas aussi doué que son père, mais enfin ça allait quand même. Et il a été à un moment invité à Rome par Caligula, qui était l'empereur à ce moment-là, donc au début du 1er siècle de notre ère. Il a été invité à Rome par Caligula, et Caligula a été jaloux. Caligula, c'était vraiment le mec, vraiment le roi du n'importe quoitisme absolu. Vraiment l'empereur sorti de nulle part. Le gros taré de base. Et Caligula était jaloux parce que Ptolémée avait une cape de couleur. Pourpre, je crois, enfin bon, de la couleur impériale, et ça a vraiment rendu jaloux Caligula, qui l'a fait exécuter à ce moment-là, par jalousie, et du coup qui s'est accaparé toutes les terres de Maurétanie pour le compte de l'Empire romain, de manière définitive. Ça c'est assez marrant quand même. Caligula c'était pas un mec comme les autres. Mais les faveurs divines sont toujours les bienvenues. Allez, on débat. Cool. Il a pris en compte le fait qu'on soit arrivé par bateau. Ça, c'est cool. Oui, Caligula était un homme vraiment particulier, qui était vraiment le psychopathe de base, qui faisait décapiter tout le monde un petit peu, comme ça le faisait kiffer. Et surtout, il aimait beaucoup son cheval. Il aimait vraiment beaucoup son cheval. Au point que son cheval était probablement le citoyen le mieux loti de l'Empire. J'entends par là que son cheval avait ses appartements, il avait son grand luxe, ses meubles en marbre, en ivoire, et tutti quanti. Et la légende dit, alors c'est une légende, donc c'est à prendre avec des pincettes, comme toutes les légendes, qu'il voulait nommer son cheval consul de Rome. Et c'est à ce moment-là que, soi-disant, les prétoriens ont commencé un petit peu à péter un câble. Et on dit non, ça va, il y a quand même des limites, les gars, on va pas non plus faire n'importe quoi dans la vie. Et ont tué Caligula, ce grand Caligula. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur sa vie, parce que franchement, ça mériterait deux épisodes rien que pour en parler, c'est pas triste. Croyez-moi, c'est pas triste du tout. Bon alors, le problème aussi, c'est que ce personnage était déjà un sacré personnage, mais est forcément pas mal entouré par... Bah oui, j'ai envie de me battre, effectivement. Il est aussi pas mal entouré par la légende qui aime bien en rajouter un petit peu sur lui, mais bon, j'ai envie de me dire, enfin de vous dire, il y a un moment, on est plus à ça près. On n'est plus à ça près. On a ce qu'il faut, on a de quoi l'enterrer pour 3 siècles. Il n'y a pas besoin, vraiment,
d'en inventer plus. C'est pas très utile. J'ai beaucoup de vitesse, mais il faudrait des frondeurs. Alors ce qu'il faudrait, c'est que j'aille conquérir les balayards, parce que j'imagine que si on prend les balayards, on peut recruter des frondeurs, des balayards. C'était comme ça sur le premier run en tout cas. Avec Rod, c'est pareil, sur Rod on avait... Non, pas sur Rod. Sur la crête, voilà. On avait les archers crétois en crête. Ouais. La portée de ces gogoles là. Hop, voilà. Regardez la vitesse. Brave Romain sans exception. Oui, mon général. Général ? Oui, merci. Voilà. Tir rapide. Pareil, tir rapide, même enflammé. Ah, mais je le fais tirer dessus aussi. Ah, ça déguste, hein. Ah, ça déguste. Ah oui, ça déguste vraiment. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là, je l'ai. Oh là là, les unités de tirailleurs sur ce jeu sont... Oh, hé, hé, oh, oh. Hé. Ah, faut pas déconner non plus, hein. Non, attends. Ta-ta-ta-ta. Eh, mais c'est qui me massacrait, ces mecs. Regardez-moi ça. Regardez tous les jeunes... Oh là là, tous les légionnaires que j'ai... Oh, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. Oh, mais j'ai perdu aussi pas mal de ce côté-là. Ok, je vais pouvoir continuer à avancer. Hop. Je crois que mes tirailleurs vont faire tout le taf, en fait. C'est ça, le truc. Alors, je vais tirailleurs, je vais les mettre un peu par là pour qu'ils aillent accueillir. Ok, ça c'est bon. Ils vont contourner par l'amphithéâtre. L'amphithéâtre est d'une proportion relativement discutable. On va voir avec mes soldats. Ah oui, alors j'ai oublié de montrer quelque chose. Le mode FPS. Voilà, je vais faire le mode FPS sur ce jeu. Non. Ah, attendez. Comment j'avais fait le mode FPS déjà? J'ai fait le mode FPS à un moment. Alors, attendez. Voilà. C'est ça, là. Ah, on a le mode FPS. Bon, il faut se mettre un peu plus près. Il faut se mettre un peu plus près. Il y a un mode, enfin, si on se met la bonne caméra, on peut carrément se mettre en mode FPS. C'est assez marrant. Hop, hop, hop. En cadence. Salut. Wow, 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 wow. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Tut, 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 tut. Oui, d'ailleurs, mon légionnaire romain ici est en train d'avoir quelques problèmes. Je ferai mieux d'arriver à son secours rapidement. Dans les plus brefs délais. Ah bah eux, ils vont pas être pardonnés non plus. Quelque chose me dit que leur carrière va... Oh bah bien joué. Ah bah bien joué. Bien joué. Okay. Voilà, on va assister un peu au combat entre le général... Gaulois. Ouais, je sais, c'est pas très grave. On me demande de faire des zooms, alors je fais des zooms. Voilà, comme ça vous pouvez pas vous plaindre. Bien joué, là, on avait un soldat au premier rang qui a fait un bon taf. Et le combat n'est pas terminé, les gars. Oh là là, on se repasse pas sur les lauriers comme ça. Mais ils veulent pas les laisser partir. Ils sont en train de les ridiculiser. Oui, attention, mais... Ouais, bataille est terminée. Victoire. Regardez les bateaux des barbares sont en fait des sortes de drakkars. Alors je sais pas historiquement si c'est correct ou pas, mais je sais pour les Gaulois que c'était des bateaux qui ressemblaient un petit peu à des cogs, vous savez, avec un avant comme ça, pointé vers l'avant, un peu comme c'est comme un drakkar, et un arrière un peu plus carré, un peu plus comme les bateaux qu'on avait au Moyen-Âge. Je sais que les bateaux gaulois étaient un petit peu comme ça, puisque dans la Guerre des Gaules, un petit passage que j'avais lu. J'ai pas lu le livre en entier, j'avais lu juste un passage sur internet il y a des années de cela. Il parlait notamment des bateaux d'un peuple gaulois qu'il a affronté lors d'une bataille navale. Et qui avait ces bateaux-là. C'était les Némètes, probablement les Némètes qu'il avait affronté. Je suis pas très sûr. Tradition sur la Ligue 2. Ça, c'est bien. C'est très bien.
Très bien, petite tradition comme ça. Hop. On va lui mettre quoi? Ok. Ouais, ça peut être bien, un peu d'ordre public. Un peu plus d'autorité, ça peut être bien aussi. On peut mettre des différents niveaux. Là, c'est pareil. Je vais mettre un mec qui a une autorité de fou. Ah non, une autorité de taré. Moins 35. Ah oui, il faut que je refasse aussi tous les bâtiments à ma culture. J'ai pas la technologie. Là, je l'ai. Je l'ai. Je vais faire... un port de commerce, peut-être. Mais ça va gaspiller pas mal de nourriture. Je ne sais pas. C'est compliqué, là. On me pose une colle. On me pose une sacrée colle. Bon. Elle est vraiment bien développée, cette ville, en plus. Je vais... mettre... Ah ouais, je peux pas mettre des trucs qui mettent de la nourriture, donc ça c'est pas possible. Je consomme trop de nourriture déjà. Donc on va mettre celui-là, forcément. Non, on va pas mettre trop de temples non plus, faut pas abuser. On va le démanteler, on va mettre un bâtiment de nourriture ici. Et là, là pour le moment, je ne sais pas trop quoi faire sur ces bâtiments-là. Je me tâte. Un poissonnier. Non, mais on va attendre un petit peu, on va voir comment ça se passe. Comment puis-je servir Rome ? Tu t'occupes de la culture. Voilà comment tu vas servir Rome. Manipulation, 72% de chance de faire une tentation sur lui. On va tenter, on va voir ça. Oui, alors tu vois, chez Rome c'est mieux. Non, très bien. Excellent. Excellent, il a gagné un rang. Du coup, on va pouvoir l'upgrader et on va lui mettre... provocateur... Le zèle, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, je sais ce que ça veut dire le zèle, mais je sais pas quelle est l'implication du zèle sur le jeu. On va tenter de mettre un peu de zèle sur lui. Voilà. Et la culture romaine, 58%, très bien. Je regarde juste l'ordre public. Donc je sais que j'ai moins 25 à cause du fait que je viens de prendre une ville dans la région. Ça fera encore moins 10. Assez chaud quand même. Hein. Assez chaud. Le moins 10 d'instabilité provinciale va se régler au fur et à mesure. Différence culturelle, ça va se régler aussi. Ouais. Ok. Ensuite, on ira prendre Marseille. Est-ce que Carthage a pris... Mais Carthage n'a toujours pas pris les... la région, là-haut. Donc c'est bien les mecs, en fait, mais... En fait, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez prendre la ville. Voilà, c'est ça qui me ferait plaisir. Que vous puissiez prendre la ville des trucs, hein, parce que je pense que si vous le faites pas... Personne ne le fera. Donc je vais peut-être y aller autour à la vidéo prochaine. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Si, il fallait que je mette éventuellement mon armée vers Patavium. Enfin, vers Medlan en tout cas. Oh, ça va être chaud. On va encore se taper une révolte. Vous allez voir ça. Ce dernier à ce rythme, une rébellion sera au prochain tour. Oui, je sais. Là, prochaine vidéo, je vais vraiment travailler pour équilibrer cette région. Construire les bâtiments correctement pour que l'ordre soit raisonnable. Parce qu'ici on a des malus tout à fait corrects. C'est quoi ça? Ardiel, ok. Et à cet endroit là, on est très bien. Très bien. Ok. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui va probablement être un petit peu long, je le crains. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.